Salut tout le monde, c'est Mia, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 11 de La vie de Félicie. Comme vous pouvez le voir, ça a chauffé hier soir entre Viviane et Félicie. Félicie venait de vraiment réaliser que, en fait, Mylène habite à présent juste à côté de chez elle, donc dans cette superbe villa qui a été construite par Ladrolès. Merci à toi de l'avoir partagée dans la galerie, elle est vraiment merveilleuse cette villa d'ailleurs. Petite parenthèse, la villa de Viviane peut aller se rhabiller à côté, hein, clairement. Et puis je le précise parce que beaucoup ne l'avaient pas reconnue. Bon, effectivement, ça faisait un moment qu'on l'avait pas croisée. Mais la deuxième super voisine de Félicie, c'est Charlotte. Une fille extrêmement sympa qui adorait la rabaisser au lycée. Elle est assez déprimée. Elle ne s'est toujours pas expliquée avec Mylène et elle en veut à Viviane parce que clairement, Viviane a interféré malgré elle dans cette rupture étant donné que Mylène, ce qu'elle attendait apparemment de Félicie, c'était de la notoriété de par le statut de Félicie en tant que fille d'une star internationale qu'est Viviane. Donc c'est un peu dur à encaisser. D'ailleurs, au cours de cet épisode, si Mylène ne se pointe pas d'elle-même voir Félicie, c'est nous qui allons y aller parce que regardez, leur relation n'est même pas vraiment altérée. Félicie se fait ghoster totalement, mais il n'y a pas eu d'explication claire. Elles sont toujours dans une relation amoureuse assez haute et c'est pas du tout normal. Il faut vraiment que on tire ça au clair un minimum quand même. Nous sommes mardi, il est 5h du matin et Viviane va mettre sa menace à exécution et elle va définir un couvre-feu à Félicie à 21h. Entre-temps, elle a sélectionné une audition pour sa carrière d'actrice. Donc, on va la sélectionner. Le truc le mieux payé. Et ben, on est reparti sur le shérif Alpha du Centaure de je sais pas quoi. Du coup, Félicie s'est couchée très tard. Elle a quand même eu le temps de faire ses devoirs en rentrant vite fait. Mais ça va pas être génial pour aller au boulot. On a Diwan qui est levé. Ils ont comme un regain de tristesse pour la mort d'Hermine, qui a eu lieu la dernière fois. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Cheshiro, grâce à qui j'ai trouvé une astuce pour enfin obtenir l'urne de Léo et d'Hermine, que j'avais raté la dernière fois. Donc merci à toi pour ton commentaire. Et du coup, ça a impliqué que je les refasse décéder pour avoir leur urne. Et du coup, rebelote au niveau des émotions négatives. Mais je trouve ça plus réaliste, parce que la façon dont Hermine a été oubliée, c'était un peu rapide à mon goût. Niveau sommeil, on n'est pas au top du top, mais il faut bien que Félicie se lève. Pourquoi Viviane vient manger dans la chambre de Félicie? Non, mais vous êtes en froid. J'ai pas l'habitude de voir Viviane si couverte, c'est qu'il doit faire froid dehors. Ah, je vois que Murphy est malade. Faudrait l'amener chez le vétérinaire. Je pense que Félicie va trouver cette excuse pour sortir de la maison et l'amener. Oh là là. Ah ouais, effectivement, c'est très grave. Je pense qu'en rentrant du lycée, on s'occupera de ça. On va prendre des restes dans le frigo. Tu pourrais pas mettre un pyjama, Diwan, par hasard. D'ailleurs, je pense que je vais carrément t'habiller. Félicie, elle a décidé de manger à part sur le canapé. Et Paris comprend qu'il doit la laisser tranquille. Oh là là, c'est déjà l'heure d'aller à l'école, ils auront rien dans le ventre. Bon, comme d'habitude, Diwan n'a pas fait ses devoirs, alors que Paris, évidemment, les a fait. Diwan, d'ailleurs, a décidé de manger avant d'aller en cours. Tant pis s'il arrive en retard, c'est pas ça qui va plomber sa moyenne. Elle est déjà pas très très haute. Mais ça me saoule qu'il mange des haricots aux saucisses dès le matin, mais on va dire que la flemme de cuisiner, elle l'emporte sur tout. Oh là là, c'est sûr qu'avec cette mentalité, on va faire une sacrée journée au lycée. Alors, Maxime va prendre encore un contrat avec un influenceur de style, parce que c'est vraiment ce qui rapporte le plus. Et on va choisir comme influenceur de style. Rami Watson, elle est influenceuse de style à Hanford-on-Bagley. Allez, celle-là, je la sens bien. Juliana. Hop là. Comme elle n'arrive pas à explorer l'émotion colère, on va explorer la comédie. Ah, il faut qu'elle raconte plein de blagues à Maxime. Pendant qu'il travaille en plus, il va être ravi, je crois. Maxime, à force de faire du sport, a vraiment pris du muscle. Du coup, il porte des vêtements pour qu'on le remarque. Faire une blague sur la mode. Le pauvre est obligé de s'arrêter dans son boulot pour écouter Viviane qui dit n'importe quoi. Oh, les trois enfants, mais ils sont au bout de leur vie. Il a même un petit rire faux. Super sympa, Maxime. Oula, elle est super joueuse. Ah, c'est bon, elle a assez travaillé la compétence comédie. Ok, donc arrête de discuter avec Maxime. On va inviter le réalisateur et les co-vedettes. Ok, Maxime a réussi à contacter l'influenceuse. Maintenant, il faut prendre des photos de Sims en tenue quotidienne. Alors, il y a un mec qui arrive en courant à la maison. Est-ce que c'est lui le réalisateur? Oh, bah oui, on a déjà bossé avec lui en plus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Viviane a un semblant de relation amoureuse avec lui. Ça risque de pas trop plaire à Maxime, ça. Oula, on peut même carrément faire un premier baiser. Non mais tout le monde rentre dans la maison comme dans un moulin. Il y a un autre mec avec qui Viviane parle, je sais pas où il est d'ailleurs, qui est peut-être lui le réalisateur. Il est où ce gars? Avec qui parles-tu, Viviane?
Arrête de lui parler à lui là. Tiens d'ailleurs, on peut pas mettre fin à cette espèce de flirt là. Voilà, demander de garder une relation amicale, très bien. Parce que je ne sais pas quand quoi que ce soit a commencé. Oh non, le morceau d'argile, ça ne s'en va pas avec les différentes mises à jour. Hein. Ah, très bien. Il n'y a jamais eu de relation amoureuse, hein. Je ne sais pas pour qui tu t'es pris. Bon, bah, le réalisateur ne vient pas. Toi, je vais te demander de partir. Ça vaut mieux, je crois. Il vient se servir dans le frigo en plus. Non mais, le mec sans gêne. Qualité médiocre. Ah oui, mais c'est lui qui l'a fait. Et en plus, il met des déchets sur notre sol. Par contre, il y a un autre gars qui arrive. Je l'ai vu avec une chemise verte. Il a disparu. Ah, top! Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Ah, ben voilà le réalisateur. Ah, mais c'est lui le réalisateur. Attendez, attendez. Mais toi, t'es qui exactement? C'est un fan. Ah non, hors de question. Au revoir. Il faudrait rappeler l'autre là. Bon, bah tant pis. D'où ce fan s'incruste à l'intérieur là. N'importe quoi. Viviane, viens ici. Mets une tenue quotidienne. Oula! On voit qu'elle en a marre de poser, hein, je crois, en hein, force. Voilà, on va faire ça. Je vais en prendre 5 pareils. Allez, 6 pour donner bonne conscience. Et maintenant, on va appeler la fille et on lui montre les photos. Et voilà, on va laisser peser 8000 simflouz. Murphy est vraiment au bout de sa vie, c'est de la maltraitance animale. Il faut attendre le retour de Félicie. Elle veut une piqûre, même carrément. Va quand même réconforter ton chat, Viviane. Parler, avoir une discussion intellectuelle, bien sûr. La fille est déjà là. Ah mais elle vient pour gronder tartine en plus. On fait juste quelques interactions super rapides avec elle et puis c'est tout. Oh là là, Murphy qui lui vomit dessus. T'as raison. Il faut discuter de blocs de mode, faire en sorte qu'un adulte porte un toast. Pas facile ça, comment on fait? On va faire un selfie, même si on n'en a rien à faire. Ça a pas marché? Faut la prier en plus. Et voilà, c'est vraiment super bien fait. Nickel. Mais par contre, porte un toast? Faut pas un appareil exprès pour ça? Tiens, on va se faire un petit verre d'eau pétillante. Oh non, pas porter un toast avec ça. Bon ben, Maxime va faire d'autres verres. On va juste remettre Félicie un tout petit peu en forme. Elle ira pleurer et dormir. Et j'espère qu'à 17h, elle sera dispo. Ah, Viviane, elle peut enfin réexplorer l'émotion colère. Je sais pas trop ce qu'elle peut faire avec ça. Ah, course enragée. Très bien ça. Elle pleure en dormant, c'est super triste. Oh, Murphy vient carrément la voir au cas où. On n'a toujours pas de visite de Mylène hein, devant la porte. C'est quand même fort de café. Ça explore pas l'émotion colère de faire ça. C'est juste se défouler sur les gens. Ah, si, quand même. Il faut le faire plusieurs fois. Allez, recommence. Cours, quelques minutes, et tu recommences. Bon, Maxime, maintenant que t'as fait tes verres. T'as l'autre, elle s'est servie. L'air de rien. Ils sont où les verres préparés par Maxime? Tout le monde a pris un verre, même le petit. J'espère que c'est de l'eau. On ne saura pas. Bon, ça me saoule ce contrat. Terminé plus tôt. 14 000 simflouz! Non mais c'est énorme! J'ai eu presque le double de la somme prévue, mais c'est juste pas possible. Allez maintenant, elle dégage. Voilà, rentre chez toi. En fait, j'ai l'impression que c'est le nombre de fois où elle court, plus que la durée. Voilà, tu cours 3 secondes, on enlève. Allez, arrête, arrête, arrête. Et voilà, ouais, ça marche. Et pour finir, une dernière course. On fera abstraction du fait qu'il y a de la poussière partout à l'étage. La majordome ne connaît apparemment toujours pas cette pièce de la maison. Oh, j'avais pas vu que Maxime y prenait son bain. Alors, elle est en train de se défouler sur lui. Oh, bon, il a l'habitude, hein. Ça n'affecte même pas leur relation. Bon, Félicie, prête ou pas prête, tu te lèves. T'as pas le temps de prendre une douche, je crois. Tu vas juste te laver les mains, te laver les dents. Et pour la douche, on verra plus tard. Là, faut amener Murphy chez le vétérinaire. Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Cool! Tu crois qu'on devrait le faire? Comme Viviane n'est pas proche d'Octavia, je vais lui répondre comme tu le sens, ma grande. Quand même, ça me paraît être une grosse responsabilité pour Viviane. Voilà, décidez vous-même. C'est trop dur. Ouais, ben, chacun ses problèmes, hein. Et pourquoi elle va voir la photo de Dean? Allez, on va chez le vétérinaire. On va promettre à Viviane de rentrer avant 21h, mais je pense que ça va légèrement dépasser. Toujours pas de clinique vétérinaire à Del Sol Valley, on va pas revenir à Enford and Bagley, donc je pense qu'on va aller à Windenburg. On dira qu'il y avait un train. J'y suis déjà allée une seule fois, je crois. Nous sommes arrivés à la clinique. Félicie a mis un manteau là. Apparemment, il faisait très froid en sortant du train. Alors, on va vite inscrire Murphy. Je vous remontre vite fait la clinique vue de l'extérieur. Pour une fois, il ne pleut pas à Windenburg. C'est assez rare dans mon jeu pour le souligner. Bon, j'espère qu'il va être vite pris en charge, qu'on n'y passe pas la nuit. Ils ont pris d'abord le chien, Jim, et son propriétaire. C'est un habitant de Enford and Bagley. Comme si il n'y avait pas de clinique tout proche de chez lui. Oula, elle est super tendue. En même temps, elle est en présence d'inconnus. Ça lui plaît pas en général. Ah, c'est bon. Toi, tu me dis rien du tout. Je pense qu'on va créer un PNJ
pour l'occasion, fallait pas, c'était vraiment pas nécessaire, je vous assure. Allez, traitement coûteux, qu'on en finisse. Ça c'est fait, et je pense que comme nous sommes à Windenburg, proche de chez Swan et Loïs, eh ben on va aller leur faire un petit coucou. On est arrivé chez, il y a marqué chez Hermine et Swan, ben oui, mais c'est plus trop chez Hermine. Entrez, est-ce qu'on va venir m'accueillir? Mais Loïs, oh, bon allez, on va le consoler à propos de la mort, parce qu'il est en train de pleurer dans son lit. On va tous se consoler, hein, je crois. Donc là, ça se voit pas, mais c'est notre oncle, qui est à peu près notre âge, hein. Juste un petit peu plus âgé, mais pas beaucoup plus que Félicie. Ouais, c'est Tartine qui m'envoie un SMS pour me prévenir du couvre-feu. T'as raison. Ah, il y a Swan qui vient me saluer quand même. Allez, lui aussi, on va le consoler. Je pense que Félicie va proposer à Loïs une petite sortie, histoire de se changer les idées. Pourquoi pas sortir à Windenburg? Bon, c'est pas du tout le genre de Félicie, hein, de faire plein de sorties. Mais là, elle a vraiment besoin de s'échapper de chez elle. On pourrait carrément aller en boîte de nuit. Je vois pas trop Félicie dans une boîte de nuit, mais justement, là, ce serait l'idée de Loïs plutôt. Nous sommes arrivés à la boîte de nuit. Je n'en reviens pas que Félicie soit là. Allez, on va vraiment se changer les idées. On a vraiment besoin de divertissement. C'est parti! Allez, on va danser ensemble. C'est qui DJ? Je connais ou pas? Léandre Jolibois. Je connais pas, mais ça peut être qu'un nom donné par moi-même, donc c'est pas un nouveau. Toute la famille vampire du côté de Aliénor Velour est présente. Je sais pas si Félicie elle a déjà dansé, hein. Ouais, elle est niveau 1 en danse. Allez, viens là, Loïs. Bon, je pense qu'on va arrêter de danser. On va essayer de le réconforter quand même. Pourquoi pas se commander un petit verre. Commander des boissons pour le groupe. Allez, on va se prendre un soda aux plantes. Félicie est rebelle ce soir. Pourquoi Murphy nous a suivis? Sortez ce chat. C'est vraiment pas une bonne idée en fait. Ah, elle meurt de faim. Ça rassasie un peu la boisson? Bon, bah, asseyez-vous là. On va commander des petits pains. Même si ça rassasie pas trop, ce sera toujours ça. On va avoir une conversation profonde. Ah, mais elle est au bout de sa vie. Oh là, notre responsabilité est en train de descendre. Comme on enfreint le couvre-feu. Ah, ça l'a bien rassasié en fait. Oh, mais non, c'est pas vrai, ça fait pipi dessus. Oh non. Génial. Super objectif rempli. Écoutez, foutu pour foutu. On va finir de manger notre petit pain. Je pense qu'elle va ramener l'assiette pour la maison. Et puis on va se rentrer, hein. Je pense qu'elle va essayer de dire qu'il y a eu un problème à la clinique vétérinaire. Elle a dû y rester jusqu'à 21h, un truc comme ça. La boîte, elle est pas ultra fréquentée, hein, je trouve. Elle va courir longtemps comme ça. On est rentré à la maison. Ah, Félicie n'est plus responsable. Parce qu'elle a enfreint une fois le couvre-feu. C'est comme ça. Vianne ne va pas engueuler Félicie. Par contre, elle est dans sa chambre, mais elle lui dit rien. Ah, ça y est, elle est à nouveau responsable. Ouais, bah dis donc. Bon, par contre, personne n'est couché à 1h du matin, mais si ça choque pas Viviane. On a Diwan qui a bien besoin d'une douche. Et Paris qui a bien besoin de sommeil. Il est encore en train de pleurer dans son lit. Ah, elle est toute habillée dans son lit, mais c'est dégoûtant. Maxime ne va pas faire du sport à cette heure-ci, c'est pas possible. Allez, va dormir, mais si t'as pas très sommeil, ce sera plus logique. Bon, cette soirée n'a pas du tout diverti Félicie. C'est un peu la cata, hein, quand même. Y a Scotch qui vient voir si elle va bien. Ouais, bah, je pense qu'après, on va s'amuser un peu avec lui. On n'a pas le droit de le promener, du coup, mais on va essayer de se divertir. Faire un câlin, confier ses incertitudes. Très bien. Allez, on lui met une friandise, parce que ça fait longtemps que s'en est pas occupé. Ah, oh, mais va-t'en, Nikki. Oh, ça la divertit vachement, punaise! Qu'est-ce que Scotch lui fait du bien quand même à Félicie, c'est impressionnant. Deux caresses à Scotch, c'est plus divertissant que toute une soirée en boîte. Et en plus, elle est plus embarrassée, comme elle lui a parlé. Faut pas qu'on oublie de mettre nos petits pains dans le frigo. Hop! Et maintenant, au lit! Allez, bonne nuit tout le monde! Il est 4h du matin, mais Maxime est déjà réveillé. Ok, maintenant on me prévient quand des animaux errants sont adoptés, c'est bon à savoir. Avant d'aller manger, Maxime, tu pourrais pas lancer la routine de nettoyage, ça fait 46 milliards de fois que je demande. C'est qu'il faut vraiment le regarder se démarrer, sinon ça marche pas. Faisons un petit inventaire du frigo. Bon, on n'a que des trucs salés. À part les petits pains. Prends une portion peut-être. Maxime déjeune seul, avec son eau pétillante qu'il a fait hier. Maxime, mine de rien, c'est bientôt son anniversaire. Félicie se lève, pas forcément de très bon poil. Elle va aller manger son petit pain, elle aussi. Et aujourd'hui, c'est décidé, elle va tirer les choses au clair avec Mylène. Le problème, c'est que on doit aller au lycée. Je me demande si on va pas tenter le coup de prétendre être malade. Ce serait bien. Si ça pouvait fonctionner, ça nous laisserait plus de temps. On va bien voir si l'école nous croit ou pas. Elle est pas malade, mais elle a quand même perdu sa grand-mère. Mais sois pas aussi souriante, ils vont voir que t'es en bonne santé. Ça a marché. Bon, eh ben, on va changer de tenue. Et on va directement aller frapper aux aurores à la maison. Débail les mots. Rendre visite à Mylène d'Aigle. Allez, on va y aller avec Tartine pour nous défendre. C'est parti. Sors de là, Mylène, si t'as les tripes. Frappez à la porte.
Allez, en avant tartine. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette villa est tellement grande. Elle est où, Mylène? Elle est où? Elle est à l'étage. Eh ben, on va l'accueillir. On va commencer par quelque chose d'amical. Je vais complimenter la maison. On va dire, alors, t'as une jolie maison. C'est mieux qu'un Ford Bugley, apparemment. Oh, j'ai pas vu, je crois qu'elles se sont fait un bisou, hein. Alors, on est bien dans cette maison? On va se renseigner sur un autre sim, sur Orange. Ah, mais comme elle le connaît pas, elle peut pas se renseigner. Oh, autant chercher une aiguille dans une botte de foin dans cette superbe villa. En tout cas, elle est bien dans la chambre de Orange. On reconnaît à la couleur. Ah, il est là. Alors, faut d'abord qu'on se présente. On va faire une présentation grossière. J'espère que Mylène va pas quitter la villa pour aller au lycée en attendant. Sinon, on va l'attendre de pied ferme toute la journée, hein, je crois. Tant y a Tartine qui fait comme chez elle. Ah, faut pas que je quitte Mylène des yeux. C'est bon, on a fait connaissance avec lui, je crois. Maintenant, on peut se renseigner sur lui. Alors, il est bien Orange by Lemoon? Ok, il fait comme si on n'avait rien à faire. On n'y croit pas du tout. Je suis folle amoureuse d'Orange. Oh! Ah non, mais là, elle se fout vraiment de nous. Alors déjà, on va commencer par le critiquer, évidemment. Ne pars pas, ne pars pas. Non, reste là. On n'a pas eu le temps de lui dire ses quatre vérités. Eh ben, on reviendra ce soir. Je crois que Félicie va péter un câble. J'aurais limite dû organiser un jour férié, mais c'est de la triche quand même. Non, je pense qu'elle va pas rentrer tout de suite à la maison d'ailleurs. On a besoin de se défouler. Félicie va proposer à Maxime d'aller à la salle de sport. Il pourra pas dire non à une telle proposition et il la jugera pas parce qu'elle a fait semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. Et attendez, j'ai un doute affreux. Est-ce que Paris avait bien fait ses devoirs? Oh, malheur! Il a intérêt à travailler super dur. Réviser assidûment. Et Diwan, il va faire le minimum. Voilà. Tartine nous a suivis. Ah, elle peut attaquer des Sims? Est-ce que tu peux attaquer cette paparazzi? Oh, mais c'est trop génial! Eh, mais trop bien, on va attaquer tous les paparazzis devant la maison maintenant. C'est très très bien, Tartine. Bon, Maxime est en train de travailler ses biceps. Félicie a envie de se détendre dans le sauna, donc je pense qu'on va la laisser faire. Vu ce qu'il attend tout à l'heure avec Mylène, ça ne peut que lui faire du bien. Allez, on va rentrer à la maison, on va faire comme Tartine, et on va se préparer à l'affrontement. Maxime, je pense que tu peux en faire autant. Oh non, mais elle a même pas pris le temps de se changer. Elle est vraiment complètement à l'ouest, notre pauvre Félicie. On est rentré à la maison. Félicie a besoin de se reposer encore après cette nuit mouvementée. Bon, Viviane, ce serait bien de te changer. Alors, Viviane, au niveau de son aspiration, ça fait super longtemps que j'ai ça sous mon nez. Il faut qu'elle soit mariée à son meilleur ami pour la vie. Et Maxime n'est pas son meilleur ami. Sauf que Viviane, sa meilleure amie, elle la voit quasiment plus, c'est Sonia. Et je pense qu'elle est plus proche de Maxime que de Sonia maintenant. Donc là, on nous dit qu'il faut d'abord être meilleure amie et après se marier, mais je pense que ça doit marcher quand même autrement. Comme ça, on pourrait quand même compléter une bonne partie de l'aspiration. Ah, Félicie est debout, mais elle n'est pas encore reposée, mais ça m'énerve. Ah voilà, elle s'est fait réveiller par Tartine, je vais la sermonner. Ok, Viviane s'assoit juste à côté, et Félicie s'en va tout de suite. Elle parle à Tartine, elle parle surtout pas à Viviane, elle l'ignore ostensiblement. Un cadeau spécial pour notre amitié. Mais il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau du tout. On a Diwan qui est stressé par l'école, ce qui est quand même rare, mais en même temps il n'a pas fait ses devoirs, donc c'est ça qui a dû l'énerver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cadeau? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me drague ou quoi? Elle vient draguer Viviane. N'importe quoi. Pourquoi on a une amitié aussi haute? Elle me met mal à l'aise. Mais attendez, du coup on n'a pas fait ce que j'avais dit par rapport à Maxime. Devenir meilleure amie. Allez, dépêche-toi Viviane. Ah ouais, c'est un cadeau pour Maxime. Qu'est-ce que c'est que ça? Un violon artisanal. Oh, ça peut se vendre cher ça. Alors, ok, on est meilleure amie. C'est officialisé devant Octavia en plus. Ah, c'est bon, ça a marché. Et il faudra qu'on fasse des rancœurs. Oh, facile. Viviane et Sonia se sont perdues de vue et ne sont plus meilleures amies. Ouais, voilà, on va dire ça. Pourquoi tu vas voir la photo de Dean? Aïe, 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 aïe. Allez, cette fois-ci, je pense qu'elle va y aller seule, Félicie. Pas la peine d'emmener Tartine pour passer ce mauvais moment. Allez, cette fois-ci, Mylène ne nous échappera pas. Où est-elle? Où est-elle? Eh ben, disons, elle n'était pas facile à trouver au sous-sol, hein. Il y a tellement de belles pièces cachées que elle était pas facile à dénicher. Mais déjà, on va critiquer Orange. Pourquoi elle lui fait la bise? Non mais n'importe quoi, Félicie, hein. Là, tu vas te ridiculiser. Elle est blasée en plus de nous voir. Ensuite, je pense qu'elle va vraiment se lâcher et se mettre à crier sur Mylène, parce que là, c'est pas possible. Elle a attendu toute ta journée. Elle est montée en pression. On va pouvoir la repousser. Voilà, lui dire que c'est pas la peine. Ah, d'un coup, elle est très en colère. Ouais, eh ben qu'elle ose me dire quoi que ce soit. Dénigrer la colère, ouais, c'est pas à toi d'être en colère. C'est à moi d'être en colère, d'accord? Et Félicie, pour l'instant, elle n'est pas du tout en colère en plus.
Elle essaye de rester calme, mais je pense que ça se voit. Je pense qu'on va tout simplement rompre parce qu'on en a assez vu. Ça m'énerve cette boule de pâte. Voilà. Elle fait comme si elle était triste en plus. Mais non, mais c'est pas possible. On va se la faire. On va se la faire. On va se la faire. C'est pas possible qu'elle nous fasse cette comédie-là. Elle fait comme si elle était triste, mais elle sort avec Orange. Ils sont en couple. Oh, et voilà, il va la réconforter. Dépêche-toi, Félicie, de revenir. Arrête de fuir la conversation. Ça a l'air bon, ça. Mais ça a été fait par Orange. Elle va pas manger ça quand même. Lui, il sourit au milieu là. Il est content. T'as Thorn qui les observe de là-bas. Je sais pas ce que c'est cette tenue d'ailleurs, Thorn. Mais arrête, mêlez-vous de vos affaires. J'arrive pas à l'insulter. À se passer pour la victime, c'est incroyable. Confrontation odieuse. Voir Mylène suffit à énerver Félicie ces temps-ci. Ouais, tu m'étonnes. Arrête de t'enfuir, Félicie. On voit quand même que c'est pas son truc, hein. Elle essaie de m'apitoyer en plus, mais vraiment. Quelle hypocrisie. Tiens, prends ça. Elle a pas une once de colère en fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible. Félicie, tu vas pas te laisser avoir quand même. Ouais, voilà. Elle est partie se prendre à manger, tranquille. Je comprends pas que Félicie n'ait pas été virée de la maison d'ailleurs. On va dire qu'ils sont très sympas les Bailey Moon, ils comprennent. Peut-être que Mylène n'est pas si bien intégrée que ça à cette famille finalement. Ok, elle commence à avoir des émotions incontrôlées. Ouais, moi je voulais qu'on aille jusqu'à carrément se battre parce que là, c'est pas possible que Félicie se remette de ça. Elle a laissé sa chance à Mylène de s'expliquer déjà, ce qu'elle n'a jamais fait, donc c'est pas possible. Bon, elle a toujours pas une once de colère. Non, elle a gagné la bataille. Ok, on va finir ce bon plat préparé par Orange. Et puis après, on va rentrer à la maison. Oula, par contre, je crois que on a eu des dégâts dans les responsabilités de Félicie. Oh non, ça va. Il y a juste le contrôle des émotions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucune logique. Elle nous envoie des gros cœurs, là. Alors que, regardez le niveau de la relation. Elle est vraiment toxique, hein, cette Mylène. Je pense que on va s'en éloigner le plus possible. Je pense que Félicie va rentrer chez elle. Et la page de Mylène peut désormais être tournée. Et moi, je crois que c'est sur ce que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous laisse avec un petit machinima de fin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!